Bonjour les enfants, heureuse de vous retrouver dans notre nouvelle leçon de conjugaison. J'espère que vous allez bien. On est toujours dans la période 4 sur le thème civilisation culture histoire du Maroc, sous-thème conte et conteur du Jamal Fna. Le titre de la leçon d'aujourd'hui de conjugaison est le futur simple des verbes des premiers groupes et deuxième groupe. L'objectif d'apprentissage être capable de découvrir l'emploi du futur, être capable de manipuler le futur simple des verbes des premiers groupes et deuxième groupe. Faisons un petit rappel. Dans les leçons précédentes de conjugaison, on a déjà vu l'imparfait, le passé composé, le présent, le présent de l'impératif. Alors tous ces temps-là étaient du temps qui exprimait un passé ou bien le présent. Alors pour faire un petit rappel, on va faire la conjugaison de ces verbes en ces temps. Le verbe voir, appeler, nager, garnir, prendre et aller. Comme vous avez constaté ici, il y a des verbes de premier groupe, de deuxième groupe et de troisième groupe. Alors vous allez les conjuguer sur votre cahier, comme ça vous allez faire un petit rappel des terminaisons de l'imparfait, du passé composé et du présent et du présent de l'impératif. Ça va vous servir comme un exercice d'entraînement et de rappel. Alors, après avoir fait cette petite révision, on va découvrir la notion d'aujourd'hui, ou bien la leçon d'aujourd'hui. Alors, tous ces temps de conjugaison qu'on a vus étaient des temps du présent et du passé. C'était des temps où l'action est déjà réalisée, où elle est en phase d'accomplissement. Ça veut dire l'action est déjà faite, ou bien elle est en train de se faire, de se réaliser. Alors j'ai pris comme exemple hier j'ai fait mes devoirs. Ici on a le passé. Maintenant je fais mes devoirs, c'est le présent. Alors ce sont des actions déjà passées ou bien en train de se se passer. Alors pour exprimer une action qui n'est pas encore réalisée, quel temps je dois utiliser On utilise le temps. Le futur de l'indicatif, vous l'avez déjà vu dans le CE2. Donc là, c'est le futur de l'indicatif. Le futur de l'indicatif exprime une action qui n'est pas encore réalisée, qui va se réaliser plus tard. Alors, pour conjuguer les verbes du premier groupe et du deuxième groupe au futur de l'indicatif, comment on procède Comme vous le savez, c'est une façon très simple. Donc là, pour le premier groupe et le deuxième groupe, c'est très simple de conjuguer un verbe au futur de l'indicatif. Alors, on prend... En général, on prend l'infinitif du verbe plus la terminaison du futur. L'infinitif du verbe conjugué plus la terminaison de l'infinitif. C'est trop simple. Donc, simplement, je laisse le verbe qui est à l'état infinitif et je vais lui ajouter la terminaison du futur. Alors, les terminaisons, faisons un petit rappel. Les terminaisons du futur de l'indicatif sont A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Donc là, on a ai pour la première personne du singulier, as pour la deuxième personne du singulier, on a a pour la troisième personne du singulier, on a ons pour la première personne du pluriel, ez pour la deuxième personne du pluriel et ont pour la troisième personne du pluriel. Mais on a des exceptions. On doit faire attention aux verbes du premier groupe qui changent. Donc, là, qui n'ont pas cette façon de prendre que l'infinitif et ajouter la terminaison. On a ici le verbe envoyer. Donc, le verbe envoyer, il devient j'enverrai. Donc, on a ici le radical change. J'enverrai. On a le verbe essuyer. On a ici le verbe, l'y va changer en i. Essuyer. Le verbe jeter et appeler. Ce sont des verbes qui vont doubler de consonnes. Ils vont doubler de consonnes. J'appellerai, je jeterai. Donc là, on entend le son et. Donc là, la consonne est doublée. On a le verbe acheter. Acheter, il prend un accent grave. Achèterai. Donc là, vous entendez ici et. Et avec accent grave. J'achèterai. Donc là, il faut faire attention à ces verbes. Alors, ce qu'on va retenir, j'ai pris ici un tableau comme on a l'habitude de faire un tableau de conjugaison. Je choisis des verbes pour servir de modèle pour conjuguer mes verbes au futur de l'indicatif. J'ai pris le verbe « garnir ». C'est un verbe de deuxième groupe. Je garnirai, tu garniras, il garnira, nous garnirons, vous garnirez, ils garniront. Le verbe « appeler ». J'appellerai, tu appelleras, il appellera, nous appellerons, vous appellerez, ils appelleront. Alors, le verbe placer. Je placerai, tu placeras, il placera, nous placerons, vous placerez, ils placeront. Le verbe nager. Je nagerai, tu nageras, il nagera, nous nagerons, vous nagerez, ils nageront. Le verbe envoyer. J'enverrai, tu enverras, il enverra, nous enverrons, vous enverrez, ils enverront. Alors, faisons un petit entraînement. On va prendre la page 169 de notre manuel. On va faire les exercices 1, 2 et 5. Ces exercices doivent être faits sur le cahier de devoir. S'il vous plaît, sur le cahier de devoir, pas sur le manuel. Merci et à bientôt lors de notre séance.